Hey, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette 36e émission de la saison 7 de Délivrez-vous. Ce soir, on a la chance exceptionnelle d'accueillir le phénomène de la rentrée littéraire de janvier. Il est l'auteur qui a fait l'adaptation du film Wonder Woman 1984. On est vraiment ravi d'accueillir Xavier Coste ce soir. Salut Xavier. Salut David. C'est bien ça, hein? Vraiment très très belle Oui, adaptation. à peu près. Je crois que tu t'es un peu gouré dans tes fiches, mais globalement, ça C'est devrait. vrai? Mince, va Ouais. falloir revoir ça. Pourtant, on m'avait dit que c'était 1984. Et moi, comme je ne lis absolument pas de bande dessinée, je me suis dit que ça pouvait que être Wonder Woman. Oui, bah complètement. Et moi, je regarde que des films comme ça aussi. Donc on est raccord. Ça commence très bien cette histoire. Merci d'être là, Xavier. Bah, merci à toi. Et très beau jingle, hein. Ouais, mais Ça fait bizarrement, il y a eu plaisir. des trucs un peu chelous qui sont passés pendant le jingle. J'espère que ça n'arrivera pas pendant le reste de l'émission. Ouais. Un big B qui est apparu. J'aime pas trop ça, mais on va voir. Je te rassure, Xav, pour animer cette émission et pour parler sérieusement, il y a quelqu'un d'autre qui m'accompagne, c'est Get-Get. Get-Get, es-tu là? Je suis là et je vous regarde. Ça va? Très bien, et vous-même, bonsoir Xavier. Get-Get, ta mission en début d'émission, c'est de faire la biographie de Monsieur Xavier Coste. Est-ce que tu Yes. veux bien le faire? Ben oui, avec plaisir. Donc Xavier, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Tu me corriges au besoin. Ben là, ça a déjà mal commencé, donc. Alors, il paraîtrait que tu es né en 1900, non pas 84, mais 89, à Bayeux, en Normandie. Tu as suivi, il paraît, des études en art graphique à Paris, avant de publier en 2012 ton premier opus chez Casterman, un premier opus consacré à Egon Schiele, qui s'appelle toujours Egon Schiele, Vivre et mourir. Donc, un roman graphique consacré à la vie tumultueuse de ce grand peintre autrichien qui était un ami de Klimt, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et un artiste qui est mort à 28 ans de la grippe espagnole, figurez-vous. L'année d'après, c'est au poète des voyelles que tu t'intéresses, puisque tu vas raconter également en bande dessinée, toujours chez Casterman, la vie d'Arthur Rimbaud, dans un très très bel album qui s'appelle Rimbaud l'Indésirable, dont on voit la couverture apparaître à l'écran. Début 2015, j'enchaîne, hein, c'est toujours très chronologique les biographies. Début 2015, tu nous embarques sur le lit de la Seine qui est en crue avec un album qui s'appelle À la dérive. One shot génial mettant en scène un couple d'Américains qui fomentent un braquage, le braquage de la banque American Express. Et évidemment, ça ne va pas tout à fait se passer comme il avait prévu. 2 ans plus tard, tu collabores cette fois avec un scénariste qui s'appelle Olivier Kotz sur l'album qui s'appelle Le lendemain du monde. Voilà, donc la couverture qui apparaît également à l'écran. Le lendemain du monde, c'est une relecture d'une nouvelle ou d'un court roman qui avait été écrit par Joseph Conrad qui s'appelait Au cœur des ténèbres. En 2018, on vient d'avoir apparaître la couverture, tu fais ta première apparition dans le catalogue de l'éditeur Sarbacane en adaptant L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, qui est une sorte de récit initiatique et onirique qui était paru en 1945 et dont l'histoire se passe en Provence. En 2019, tu retournes chez Casterman pour y publier l'album A comme Eiffel avec le scénariste Martin Tristram. Un album qui retrace la vie, donc pareil, une sorte de biographie de Gustave Eiffel et qui se consacre, il se concentre aussi sur la relation qu'il avait avec sa cousine qui s'appelait Alice, ce fameux A de Alice qui, a priori, aurait inspiré Eiffel pour construire sa tour de fer. Voilà. J'ai des notes qui sont écrites très petites en fait, donc je hésitais à mettre mes lunettes. Ne m'en veux pas. Et donc, ben, du coup, vient de paraître toujours chez Cas chez pas chez Casterman, pardon, chez Sarbacane. Bah voilà, j'attendais la faute. Ben, Tu lances voilà la cette boulette. émission, je m'en vais. Pardon. C'est un hommage à Bertrand que vient de faire un Mais get-get. j'avais l'impression d'entendre ma notice nécrologique Non, quand même pas. J'espère que tu vas avoir une très longue carrière parce que Oui, pas vraiment, comme, pas comme Egon Schiele, ce serait dommage. ce serait dommage. Ce Tu vois, serait des vraiment fois, dommage. on compare le Covid à la grippe espagnole, faudrait pas que des Ouais. artistes meurent de ça. Non, ce serait con. Du coup, vient de paraître chez Sarbacane l'adaptation du célèbre roman de George Orwell, donc 1984.
dont plusieurs adaptations sont parues, ont paru cette année, mais on doit quand même avouer que celle-ci nous a particulièrement réjouis, éblouis. C'est vraiment une adaptation incroyable. Et pour les plus chanceux, c'est une adaptation qui est dont un pop-up figure à la fin de l'album, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le pendant l'interview. À la fin de l'album, pas tous les albums Get, parce que c'était non, la première édition est déjà sold out. Est déjà épuisé, évidemment. Voilà. Donc désolé pour ceux qui ne l'auraient pas. Bah voilà, j'espère que, mis à part cette petite boulette de fin de biographie, j'ai rien oublié. Ouais, ça va. Et on rappelle. Vrai, rien, c'est mon 7e album, du coup, c'est vrai que quand on me parle de moi, c'est quand même très long. Les gens ont tendance à s'endormir, donc voilà. Cette partie-là est vite évacuée, on va pouvoir parler des derniers albums. Ouais. Et essayer d'être intéressant. C'est ça. On va essayer, c'est le but. On rappelle à tout le monde que les dédicaces ne sont pas complètes. Donc voilà, vous pouvez encore vous inscrire, que Xavier nous fait l'immense plaisir de dédicacer tous ses albums. Mmh. Donc ruez-vous sur, sur tout, parce que tout est excellent. Voilà, tu confirmes. Alors, je dirais pas que la dédicace n'est pas complète, vu qu'il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limite, voilà. Il n'y a pas de limite. Nos limites. La dédicace, ici, il y a ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Profitez-en. Lâchez de la moula, faites des cadeaux pour Noël. De toute façon, ce bouquin va se retrouver sur les tables des libraires jusqu'à Noël. Donc, n'hésitez pas à tout de suite commander une dédicace, histoire que Xavier voit un troisième et un quatrième tirage arriver très rapidement. C'est ça, avec une troisième version avec pop-up. Et... Exactement, pour forcer les gens à acheter. Bien sûr, évidemment. De toute façon, vous ne reverrez pas vos proches avant Noël, donc faites le cadeau de Noël dès maintenant. Merci pour ce message très positif. On est déjà à la fin de l'année, là, on est fin février. Donc, C'est clair. Edith, à toi la première question, à toi l'honneur. Oui, on va peut-être lancer d'abord le trailer, puisqu'il y a un trailer. C'est une bonne idée, il y a un superbe trailer. Voilà, votre petit trailer, et après on attaque. On a perdu Xavier. Je pense que même lui, sa bande-annonce le saoulait, mais moi, j'ai très réussi cette bande-annonce. Ouais, sublime bande-annonce. J'en ai profité pour charger mon ordinateur en espérant que ça passe inaperçu, mais l'effet est raté. Et en fait, je ne peux pas le dire, mais je ne vois aucune des images que vous mettez, donc j'avais une page vide pendant le trailer. Comment ça ? Ouais, donc j'espère que je suis le seul à voir ça. Oui, je crois. Ouais, parce que chez nous, ça marche. En tout cas, chez moi, ça marchait d'enfer. Ouais. C'est vraiment très chouette. De toute façon, je l'ai déjà vu, c'est moi qui l'ai fait le trailer. Donc, C'est toi qui l'a réalisé, c'est vrai ? Ouais, tout à fait, ouais. Bah, tu touches en vidéo aussi, en plus. Bah, écoute, c'est quand on a du talent, il n'y a aucune limite. Donc, mais c'est fou, quoi. C'est comme la modestie, hein, c'est des trucs... Ça ne s'arrête jamais. Ouais, on est avec. Mmh. Du coup, Xavier, ouais, 1984, c'est ta troisième adaptation. Pourquoi celle-ci et pourquoi maintenant ? Eh ben, ça a été une vraie frustration pendant très longtemps parce que c'est mon tout premier projet, en fait, c'est celui-ci. Et en fait, finalement, c'est mon 7e album. Et parce que c'est un roman que j'ai découvert quand j'avais 15 ans. Ça a été mon plus gros choc littéraire. Et dès la première lecture, j'ai voulu l'adapter en BD. Et pendant des années, j'en ai parlé avec différents éditeurs. Le projet est revenu très souvent sur la table. J'ai fait plusieurs versions de l'album ces 10 dernières années. Et en fait, pour une question de droit, ça n'a pas été possible de le faire avant le 1er janvier 2021, parce que l'œuvre d'Orwell est entrée dans le domaine public, ce qui explique aussi qu'il y a eu 4 versions sorties en même temps en bande dessinée, ce qui ne vous a peut-être pas échappé. Mais effectivement, c'est assez frustrant d'avoir ce projet pendant 15 ans et de se retrouver aussi nombreux à sortir un album similaire. Mais du coup, c'est vrai que
J'aimerais pas qu'on pense que c'est une vision opportuniste de ma part d'avoir sorti une adaptation comme ça, quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à dire, ça paraît un peu ridicule vu que j'ai que 31 ans, mais que c'est le projet de ma vie. Du coup, quand je dis ça, ça donne l'impression que c'est bon, je peux mourir, c'est fait, mais c'est vrai, quoi. Mais donc, tu dis que c'est le projet de ta vie, après, tu n'en fais plus. Mais c'est ce que j'ai cru. Pendant toute la réalisation de l'album, j'ai cru que j'allais m'arrêter après celui-là, en fait. Et en plus, j'ai mis une telle intensité, ça m'a pris 3 ans de travail. J'ai terminé en plus pendant le confinement, j'étais vraiment lessivé et j'ai cru que j'allais jamais me remettre sur un bouquin, quoi. J'ai toujours ce sentiment-là quand je finis un album, de me dire j'arriverai jamais à retrouver le goût, à retrouver l'énergie de refaire un truc. Et puis au bout de quelques mois, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de faire des projets. D'accord. On va rebondir sur une question sur la lassitude de la création un peu plus tard. Mais la question qu'on se posait avec Get, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est qu'il y a eu déjà trois adaptations BD qui sont sorties de 1984. A priori, il y en a encore au moins une, voire deux qui sortiront cette année. Est-ce que quand tu t'es lancé dans ce projet, t'as pas eu peur à cause du poids de l'adaptation? Parce que 1984, c'est quand même un des très, très grands romans de la littérature classique et de science-fiction. Et en plus de ça, avec le Covid, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène. Et si t'as pas eu peur justement d'être écrasé par la concurrence qui était quasiment annoncée? Ben, en fait, on n'y a pas du tout pensé parce qu'on s'est vraiment mis à travailler dessus il y a 4 ans et demi avec l'éditeur. Et c'est vrai que quand on a eu l'idée du pop-up, d'ailleurs c'est l'idée de l'éditeur, il a eu cette idée il y a plus de 3 ans en fait. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, j'ai eu quelques commentaires de gens qui m'ont dit vous avez mis un pop-up pour faire un truc marketing pour que ça se démarque des autres, mais nous, quand on a fait ça, on était tout seul dans notre coin il y a 3 ans. On pensait être les seuls à avoir eu l'idée de faire l'adaptation. On se doutait qu'il y aurait au moins une autre version. Honnêtement, on pensait pas qu'il y en aurait autant. Mais c'est sûr que chaque éditeur et chaque auteur était dans son coin, bossé dessus en secret, quoi. On avait ça en tête, mais on pensait pas que ce serait à ce point-là. On avait peur aussi que ça vienne parasiter le bouquin. Mais bon, on est quand même très content de l'accueil de la presse et de la mise en avant des libraires aussi. Ouais, je pense que ça a été vraiment le phénomène littéraire du début de l'année, hein, très sincèrement. Quand on nous l'a présenté, moi j'étais de toute façon, tu t'en doutes, hyper heureux de voir cet album-là. En plus, on nous l'a présenté vraiment physiquement, donc on était persuadés que ça allait marcher. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Ça fait 3 ans que tu travailles sur ce projet. Raphaël va peut-être nous lancer les dédicaces. On va pouvoir constater que tu dessines plutôt vite. Comment ça se fait que cet album ait mis 3 ans au dessin? Parce qu'en fait, je refais tout le temps. Et aussi, je rajoute des pages. C'est-à-dire que j'avais une première monture de l'album. J'avais fait un crayonné complet. Mais il y a 100 pages de moins que sur la version que vous trouvez en librairie. En fait, c'est que il y a un moment, j'arrive même plus à m'arrêter. Et l'éditeur m'a poussé à faire le bouquin que je rêvais de faire dès le départ. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir un format carré. Il m'a aidé à faire ce projet sans compromis. Tout de suite, il a été OK pour le format. Ensuite, il m'a dit, en termes de pagination, il m'a dit vraiment, fais-toi plaisir. Si t'es embarqué dans le truc, lance-toi dedans. Et puis, bon, je rajoute 150 pages, 60 pages. Ensuite, on incorpore le pop-up. Et puis, vient un moment où, en fait, il reçoit le devis de l'imprimeur. Et au bout d'un moment, il a été obligé de me dire, bon, là, t'as rajouté 100 pages, on va s'arrêter là. Mais j'en avais encore. Et c'est pour ça que sur la première édition, là, qui est sortie ces jours-ci, il y a des pages supplémentaires. Parce que, en fait, j'en ai plein de côté que j'avais pas pu mettre. Et pour une question technique, c'est que là, pour la réimpression, mon éditeur m'a dit qu'on se retrouvait avec 8 ou 9 pages blanches. Du coup, il m'a dit, bah, je sais pas ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on fait, on fait des pages de titre, on fait quoi? Et du coup, moi, tout de suite, je lui ai dit, bah, super, j'ai des planches, je peux rajouter. Mais il m'aurait dit, il y a 50 pages blanches, j'aurais rajouté encore une page. Après, c'est important de s'arrêter aussi au bout d'un moment, mais c'est ce qui explique que ça m'ait pris du temps. Et c'est vrai que j'étais assez surpris en enregistrant pour faire les dédicaces de voir que c'était aussi rapide, en fait, parce que quand je suis en séance de dédicaces dans la vraie vie, comme on discute avec les gens, forcément, ça prend une dizaine de minutes. Et là, le dessin pur, honnêtement, c'est vrai qu'en 1 ou 2 minutes, le dessin est fini. Mais j'ai besoin, en fait, c'est paradoxal, de dessiner vite et en même temps de prendre le temps de faire un album, ce qui est assez long. Donc j'ai l'impression d'être bloqué dans les couloirs du temps, à la fois trop rapide et en même temps trop lent, parce que je peux pas non plus passer 3 ans sur chaque livre.
Et du coup, tu parles de la pagination qui est dense, et c'est ça qui est chouette, c'est que l'album est hyper généreux. Il y a des pleines pages, parfois même sans texte. Hein, et justement, on se demandait, est-ce que tu as respecté scrupuleusement le texte en adaptant simplement pour la BD, ou est-ce que tu as pris certaines libertés par rapport au texte d'Orwell? Bah, pour moi, l'enjeu de l'adaptation, c'est vraiment de respecter au maximum le texte d'Orwell. D'ailleurs, je suis parti de la version originale en anglais que j'ai retraduite moi-même avec l'éditeur. Et je voulais surtout pas toucher à ton texte. Bien sûr, j'ai fait des coupes. Il y a des passages que j'ai soit étirés, soit j'ai réduits. Et c'est ce qui est intéressant, à mon sens, avec une adaptation, c'est d'essayer le moins possible de trahir l'œuvre, de respecter le texte initial et en même temps de se permettre des libertés. Mais pour moi, les libertés devaient être uniquement graphiques. C'est plus au niveau des décors et des ambiances où je me suis permis de ne pas respecter les commentaires d'Orwell. C'est-à-dire que dans le roman, en fait, on est plus dans une vision d'ouvrier et d'usine. Tous les personnages sont en bleu de travail, et moi j'ai voulu installer une petite modernité en dessinant une ambiance qui se rapproche plus de la Défense, avec quasiment que des hommes en costume cravate. Et je pense que c'est une liberté qui ne modifie pas l'œuvre, en fait, et c'est ce qui m'intéressait. C'était vraiment qu'on puisse retrouver l'essence du texte, avoir vraiment la sensation de lire 1984, et en même temps, si je peux amener un truc nouveau dans une vision de 1984, ça m'intéressait, quoi. Parce que il y a eu déjà plusieurs adaptations en télévision et au cinéma, et la dernière adaptation au ciné était sortie en 1984, et visuellement, elle était très très forte et très réussie. Et elle avait un peu posé les bases de ce que c'était dans l'imaginaire collectif 1984. Mais je voulais vraiment pas refaire cette imagerie-là. Parce qu'à mon sens, ça servait à rien de reproposer ce qui avait déjà été fait, quoi, autour de 1984. Mmh. Bah, c'est ce qui nous a plu dans ta version de l'adaptation, c'est que tu y apportes ta touche graphique, etc. Tu y apportes des colorimétries qui sont les tiennes. Tu apportes également l'architecture brutaliste qui influence en partie ton dessin. Et je pense que, pour en revenir là, c'est intéressant peut-être de revenir un petit peu dans le passé sur ta carrière, et sur la manière dont tu es arrivé finalement à 1984. On s'est rendu compte en faisant l'émission avec Get, que tu signais souvent les albums par deux. Il y a deux albums biographiques, donc Egon Schiele et Arthur Rimbaud. Il y a deux adaptations avant 1984, donc les lendemains du jour et l'enfant. Les lendemains du monde. Pourquoi je dis les lendemains du monde? T'as vraiment un souci avec tes fiches, toi, c'est ça. C'est vrai, en plus, les lendemains du jour, je crois que c'est une série sur BFM TV, les lendemains du jour. Très, très bonne série. Pardon, tu me fais perdre le fil de L'enfant et la rivière. L'enfant et la rivière. Et également deux créations dans laquelle Paris est vraiment un personnage à part entière. Ouais. Et donc, on se posait là. Et de tous ces albums que tu signes, on voit vraiment ton style graphique évoluer. Avec dans Egon Schiele une couleur qui est encore moins présente que les albums que tu as sortis dernièrement, où le trait est un petit peu plus anguleux. Avec Rimbaud, tu commences à apporter une couleur qui se rapproche du fauvisme qu'on peut te connaître. Est-ce que c'est volontaire de ta part de faire ces espèces de cycles, les choses par deux? Et est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses tout ce chemin pour arriver à 1984? En fait, c'est pas du tout réfléchi. Moi, j'ai vraiment pas de plan de carrière, et c'est vrai que j'ai toujours au moins 5 ou 6 idées d'albums en tête, mais je sais jamais laquelle je vais réaliser en premier. Et là, j'ai même 3 projets d'albums en cours, mais je suis pas encore sûr de celui que je vais faire dans les mois qui viennent, quoi. Et c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que j'aime bien avoir un coup d'avance et en même temps me laisser le plaisir de bosser au moment sur le projet qui m'attire le plus, quoi. Après, la vraie frustration, c'est que moi, j'aurais aimé commencer par 1984. Du coup, c'est vrai que 1984, pour moi, c'est pas l'aboutissement de tous les albums que j'ai fait, parce que c'était mon premier projet. Et en fait, tous les projets que j'ai fait, je les ai fait avec beaucoup d'amour, mais à chaque fois, je me disais, pourvu que je appuierais celui-là, je puisse faire 1984, quoi. C'est le truc que j'attendais par-dessus tout. Mais j'avais jamais réalisé effectivement que je les faisais par deux, et je ne sais pas encore si je vais faire 1984 2 le retour, mais visiblement si ta vision est juste, c'est ce qui va se passer. Et sinon, c'est vrai qu'au niveau des couleurs,
En fait, c'est assez étrange parce que j'avais jamais vraiment mis en couleur de planche ou de dessin avant d'avoir signé ma première bande dessinée. Et je voulais la faire en noir et blanc, en fait, Egon Schiele. Et c'est les éditeurs qui m'ont conseillé d'avoir un format plus classique et de travailler en couleur. Et au départ, j'ai eu un mal fou à bosser en couleur parce que je voyais vraiment pas les dessins en couleur. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est logique que la couleur se soit révélée au bout de 2-3 albums. C'est vraiment à partir de À la dérive. Ouais, je pense qu'À la dérive, c'est peut-être un des albums qui a été le plus important pour moi graphiquement. C'est celui où je me suis permis de lâcher prise, même si en le revoyant aujourd'hui, il y a des choses que je trouve peut-être un peu trop classiques, mais c'est vrai que c'est à partir de cet album-là que je me suis permis d'éclater les pages et de chambouler un peu mes mises en page et vraiment m'amuser avec les cadrages. Alors, juste avant que Gadget, tu poses ta question, je me permets de rebondir sur le fait que, sur quelque chose que tu as dit, c'est que tu ne voyais pas tes dessins en couleur. Mmh. Et maintenant, on dirait que la couleur est presque plus importante que le dessin pour l'ambiance. Est-ce que ta manière de voir les choses a évolué, enfin, ou c'est totalement inversé? Ah oui, complètement, complètement. Bah, c'est vrai que, mine de rien, ça fait 10 ans que je fais de la BD, en fait. C'est pour ça, hein, je suis vraiment un dinosaure de la BD. Mais c'est une question qui me travaille parce que j'essaye vraiment de ne pas me lasser. Et là, sur ces 10 dernières années, j'ai fait 7 albums et à chaque fois, j'ai pris un plaisir fou à replonger dans une histoire, replonger dans des personnages, des ambiances. Mais à chaque fois, j'essaye justement d'explorer un truc que j'avais pas tellement exploré avant. Et que ce soit la couleur ou des décors. Là, en l'occurrence, sur 1984, le grand changement pour moi, c'est l'architecture. En fait, je n'avais jamais dessiné d'album qui se passe, même si c'est pas dans un monde contemporain, c'est un monde assez similaire au nôtre aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des horizons graphiques et créatifs qui étaient vachement stimulants. Et quand j'ai commencé l'adaptation de 1984, même si j'avais déjà l'ambiance générale parce que j'avais bossé dessus depuis des années, je trouve qu'on trouvait avec l'éditeur qu'il manquait vraiment quelque chose. Et c'est en fait, c'est quand je suis tombé sur l'architecture brutaliste que tout de suite ça s'est décanté et l'univers est venu assez facilement. Et j'aime bien faire ce genre de découverte. Et c'est vrai que là, j'ai des projets d'idées en tête où j'ai l'impression que j'aurais pas de nouvelles choses à explorer et du coup ça me gêne, donc je les mets de côté en attendant de trouver comment les aborder de façon nouvelle, quoi, pour encore une fois garder cette énergie, ce plaisir et ne pas devenir un fonctionnaire de la bulle parce que c'est très dommage, quoi, c'est vrai. Mais justement, on parle un peu de ton parcours et donc de tes inspirations, et on se faisait la réflexion que ce qui marquait principalement ton œuvre, là, de tes 7 albums, dans tes goûts prononcés, il semble y avoir la littérature, l'histoire, au sens large, l'histoire de l'art, et Paris. Est-ce que pour toi, c'est des thématiques qui sont inépuisables, et est-ce que c'est encore vers ces grands thèmes-là que tu vas t'orienter? Ouais, pour moi, c'est vraiment des thématiques qui me travaillent beaucoup. Mais j'essaye, là pour l'instant, là j'ai encore des idées de projets qui se passent soit à Paris, soit avec des thèmes un peu biographiques, mais je voudrais vraiment pas avoir la sensation de ronronner, donc j'essaye justement de trouver une nouvelle clé pour aborder les choses. Et c'est vrai que depuis 10 années, en fait, j'avais envie d'explorer la science-fiction. J'avais fait un premier pas justement avec Le lendemain du monde, avec Olivier Cotte, justement en prévision de 1984, c'est que la SF, c'est un des genres qui m'intéresse le plus. Mais je sais pas pourquoi je me sentais pas encore apte à travailler dans ce domaine-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir enfin fini 84, ça m'a ouvert des portes qui font que là j'ai vraiment très envie de faire encore 2 albums d'anticipation, d'explorer cet univers-là et pas forcément que l'univers biographique ou historique, même si ça m'intéresse aussi. Tu parlais de la lassitude par rapport à toute une carrière. Ouais. Régulièrement, on évoque avec des auteurs qui sont invités à la librairie ou dans cette émission, la lassitude qu'on peut ressentir au travail de dessinateur et la lassitude, parce que c'est souvent des projets sur lesquels on peut bosser seul pendant 1 an, voire plus, et souvent aux 2/3 ou aux 3/4 de l'album, les auteurs commencent à s'ennuyer et la qualité peut en pâtir. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé avec 84 ? Avec 84, non, absolument pas. En fait, moi, j'ai plus l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai tout le temps des idées de projets en tête et à chaque fois que je suis sur un album, finalement, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre au prochain, quoi.
Et ça, ça peut être assez frustrant. Et je mets plus de temps à démarrer un bouquin qu'à le finir. Par contre, quand je suis aux deux tiers, en général, ça me prend que quelques mois ou des fois quelques semaines de finir le livre, quoi. Le plus long pour moi, c'est de me replonger dans une ambiance et de me replonger dans une histoire. Et 84, moi, comme c'est un projet que je rêvais de faire depuis tellement longtemps, en fait, je bénissais les dieux chaque jour de pouvoir enfin travailler dessus. Après, je cache pas que quand j'ai enfin signé le contrat pour cet album et que j'avais enfin le temps de le faire, quand je me suis mis à ma table et que j'étais devant la page blanche, je faisais vraiment pas le malin, quoi. J'avais l'impression de faire un saut dans le vide parce que c'est un truc que j'avais rêvé de faire depuis des années. Et ça m'a fait bizarre d'être enfin confronté au projet que j'aurais rêvé de faire, et c'était assez stressant aussi, quoi. C'est que je me disais, bon, là, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Et ça reste un projet lointain pour moi. Ouais, et tu disais donc que tu as retravaillé plusieurs fois. Tu nous as envoyé, on a la chance d'avoir des planches qui ont énormément évolué. Donc si notre technicien Raphaël arrive à nous les faire apparaître, ce serait génial. Comme ça, on pourrait un petit peu comparer et tu nous expliques si tu veux bien. Le problème, c'est que je ne vois pas les images qui s'affichent. Tu ne vois pas les images qui s'affichent là, toujours pas? Non. Mais zut. Mais en gros, en noir et blanc, il y a... Sur Instagram, je crois. Ouais, en noir et blanc, c'est des anciennes versions d'il y a 10 ans. J'ai des versions qui ont 15 ans, mais c'est plus du storyboard. Et là, je trouvais ça intéressant parce que c'est des planches qui avaient servi de projet de présentation pour des éditeurs. Et c'est vrai que moi, c'est un bouquin que j'avais toujours vu en noir et blanc. Et j'avais remontré ces pages-là à Sarbacane quand on s'est mis à travailler dessus. Et trouvais ça dommage de rester dans un noir et blanc. Et trouvais que c'était trop attendu. Et on a vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches et on a beaucoup discuté avant de trouver les couleurs qui sont celles de l'album aujourd'hui, quoi. En fait, et il m'a dit, et je pense qu'il avait raison, que c'était l'album où il fallait tenter plein de trucs, que c'est quand même un monument de la littérature et ça aurait été dommage, à mon sens, de le traiter de façon trop facile, quoi. C'est vrai que vu de l'extérieur, moi, il y a plein de gens du milieu qui m'ont un peu découragé au début quand je disais je bosse sur un format carré. Déjà, on me disait que c'était un très mauvais choix. Quand je disais qu'il y avait un pop-up, alors là, je vous raconte pas. Au début, tout le monde me disait que c'était des erreurs, que justement, il fallait rester dans les clous, essayer d'avoir un format classique, une pagination pas trop grosse, quoi. Et moi, je trouvais ça un peu dommage. On voit justement sur les planches que tu nous as envoyées que le premier format était un format, ouais, BD classique, et puis après, tu es allé au format carré, quoi. Gadget, tu voulais poser une question? Ouais, justement, sur le format carré, c'est quelque chose que toi, t'avais en tête, que tu voulais vraiment travailler, ou c'était en discutant avec l'éditeur? Parce qu'on connaît Sarbacane et c'est quand même un éditeur qui fait toujours des albums assez atypiques, toujours hyper bien soignés, hyper élégants. C'est un éditeur à l'heure actuelle qui édite vraiment les plus beaux bouquins qui soient. Ouais. C'est vrai qu'ils prennent vachement de risques et ils sont sous plaisir à chaque projet d'essayer de trouver la meilleure façon de l'habiller, en fait. Et c'est vrai que c'est génial de bosser avec eux, quoi, parce qu'il y a toujours un plaisir à chercher le papier qu'on va utiliser, à chercher le format, etc. Mais le format, c'est tout de suite imposé chez moi, quoi, parce que c'était pas juste une coquetterie d'avoir un format atypique pour un format atypique, mais je trouvais que le format carré, déjà, c'est pratique pour partager les dessins sur Instagram, mais en plus de ça, je trouve que ça aide à l'immersion du lecteur. Ça, vraiment, on est emprisonné dans le monde de Big Brother. Et en plus de ça, comme j'ai utilisé l'architecture brutaliste, j'ai beaucoup joué sur les symétries que m'offre le format carré pour, ne serait-ce même que sur la couverture, en fait. La couverture, en fait, c'est un X, comme le format est carré. Donc, tout de suite, l'œil est vraiment aiguisé et ça donne des axes de lecture très simple et très fort, et c'est ce qu'on voulait, quoi. L'objet BD lui-même est assez brutaliste parce que c'est effectivement un format carré très épais, et c'est rigolo qu'on retrouve ça dans l'album mais également à l'extérieur de l'album. Dans les planches que nous a présenté Raphaël, on a vu deux ambiances chromatiques. Il y a l'ambiance chromatique jaune, l'ambiance chromatique rouge. Comment tu les as travaillées, ces ambiances, et pourquoi ces tonalités? Ouais, ben on a fait vachement de recherches avec l'éditeur. Au début, j'ai essayé d'aller même vers plus de couleurs, mais comme c'est une BD qui est très très riche, enfin, ça fait 230 pages, j'avais peur que ça brouille un peu le message.
Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup quand je regarde un film ou quand je lis une BD qui m'ont marqué. Souvent, je repense à une couleur. Je garde une couleur en tête. C'est le cas notamment avec les films Blade Runner que j'adore. C'est que j'ai vraiment des tonalités qui me restent et des images clés en tête. Et j'avais envie que le lecteur ait ces sensations-là. Et comme ça, à la manière de Big Brother, j'arrive à m'immiscer dans le cerveau du lecteur. Et ensuite, quand il a refermé la BD, il va penser à ce jaune et à ce gris. Il va penser à des grandes images. Et je trouve ça important, après une lecture, surtout une lecture avec un sujet pareil, d'avoir des couleurs et des images qui nous restent en tête. Mais le jaune, en fait, c'était peut-être la dernière couleur que j'avais essayé, parce qu'au départ, sur ce genre de thématique, on est plus attiré vers du gris, vers du rouge, des choses comme ça, ou même du vert, vers le gris. Et on n'avait pas envie de proposer des couleurs évidentes de prime abord. Et j'ai quand même mis 4 ambiances chromatiques différentes pour marquer le coup sur certaines séquences, notamment à la fin, où en fait à la fin on retrouve les couleurs de l'affiche Big Brother is Watching You. Et déjà le personnage est happé par Big Brother, et ensuite le lecteur aussi, à l'aide du pop-up, est immergé dans ce monde. Est-ce qu'on peut en parler justement un peu du pop-up? Tu disais que c'était une idée de l'éditeur. Quelle est ta part, toi, de travail sur ça? Est-ce que tu l'as dessiné et après ça a été fabriqué, ou parce que c'est hyper atypique, quoi, comme. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est moi, j'ai horreur de m'ennuyer dans mon travail. J'essaye toujours de trouver de nouveaux défis, comme je disais, et l'éditeur aussi. Et c'est vrai que même s'ils avaient déjà fait des pop-up sur des bouquins plus jeunesse, peut-être des pop-up plus simples, c'est un monde qu'on connaît pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, c'était très déstabilisant. J'ai essayé de faire la maquette moi-même. Au bout de 30 secondes, j'ai vu que ce serait pas possible. Et on a fait appel à un professionnel, et ça a été un boulot énorme pour lui, quoi. Il a passé un an et demi. Il a fait, en fait, il nous a fait 5 ou 6 propositions de maquettes différentes. Et on a fait un choix sur une maquette. Et à partir de là, il a dû faire 20 maquettes différentes du même modèle, quoi. Et il y a eu des allers-retours avec l'imprimeur, où c'est vraiment des calculs au millimètre près pour être sûr que tout se referme bien. Et c'est un boulot incroyable, quoi. C'est Nicolas Caudron, l'ingénieur papier, que je remercierai jamais à AT pour ce super boulot. Du coup, c'est lui qui a fait le travail, en partant des images de l'album. Je lui avais envoyé des images qu'on trouvait fortes avec l'éditeur, et aussi le PDF de l'album. Et à partir de ça, en fait, on l'a laissé libre sur les constructions. C'est-à-dire que le pop-up tel qu'on l'a, c'est vraiment lui qui l'a créé. Et moi, j'ai fait l'habillage. Donc, il m'a remis la maquette en blanc et j'ai dessiné par-dessus. Ok. Moi, je pensais que... Enfin, j'imaginais ça différemment. Donc, c'est hyper intéressant. J'aimerais rester, si tu le veux bien, sur la technique. Tu peux nous dire comment tu as travaillé ton album? Là, on te voit travailler en traditionnel. Est-ce que tout ton album est fait en traditionnel, à la craie grasse, au pinceau, au stylo, ou autre? Non, c'est vraiment un mélange... J'ai travaillé peut-être plus en traditionnel que d'habitude. Mais là, j'ai des planches, d'ailleurs... C'est même pas prévu, mais elles sont juste à côté de moi. Ah. J'ai des planches quasiment entières en traditionnel. Et d'autres entièrement à l'ordinateur. En fait, il y a vraiment pas de règles. Et vraiment, c'est cet enjeu de ne pas s'ennuyer, d'essayer de tenter des trucs au quotidien, quoi. Et c'est vrai que moi, je considérais mes originaux comme des versions de travail uniquement. Et là, pour la première fois, on a fait des expos ventes avec des libraires, et j'étais vraiment étonné que ça intéresse autant les gens, quoi, parce que c'est vrai que, comme moi je bosse sur les albums dans mon coin, pour moi il n'y a rien de magique. Et c'est la première fois que je montre vraiment les originaux, et c'est vrai que c'est chouette de voir que ça plaît aux gens aussi, quoi. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de plus de travailler, je pense, sur mes prochains projets. Parce que Breaking News, je ne vais pas arrêter la BD finalement. Ouf! C'est l'appât du gain avant tout, évidemment, bien sûr. Bah, on te comprend. Ouais, exactement. sur les planches, donc là, c'est le que tu as montré. Il y avait pas de couleur. Hein. Non, là, en fait, il n'y a aucune couleur sur les originaux. Je l'ai rajouté après. Vraiment entièrement au niveau de gris, en fait. J'ai utilisé une technique un peu bizarre qui fait que j'ai travaillé tout l'album en niveau de gris, et la couleur, c'est presque un calcul automatique de l'ordinateur à partir des niveaux de gris. Et du coup, j'ai fait avant tout un travail en niveau de gris, ce qui me permet de travailler mes plans, de travailler les rapports d'échelle, de travailler les masses de noir entre les personnages et les décors. Et je pense que du coup, le graphisme est plus fort que d'habitude, parce que d'habitude, j'avais tendance plus à travailler la couleur
et à travailler sur des niveaux finalement assez similaires en fait. Et à travailler le scénario d'abord, peut-être aussi, puisque sur tes planches, on ne voit pas du tout le texte ni les bulles, si j'ai bien vu. Oui. Bah, en fait, je fais toujours un brouillon des pages à l'ordinateur avant d'attaquer un travail, même en traditionnel. Comme ça, j'aime bien voir où est-ce que je vais placer mes textes et mes bulles. Et ensuite, comme j'ai hérité de mon père pour l'écriture, parce qu'il est médecin, je préfère utiliser une typo à l'ordinateur. Et du coup, là, je reviens un petit peu en arrière où tu disais, voilà, quand tu as conçu 1984, ben, c'était ton premier projet, tu le voyais en noir et blanc. Egon Schiele, qui est ton premier album publié, tu le voyais en noir et blanc. Et finalement, tous tes albums sont en couleur. Ouais. Est-ce que tu aimerais maintenant publier vraiment quelque chose en noir et blanc? Est-ce que c'est toujours dans un coin de ta tête? Ou maintenant, tu te dis que finalement, ben, voilà, tu as trouvé ton style et il n'est plus question pour l'instant de faire du noir et blanc? Bah ouais, là, c'est vraiment une question que je me pose actuellement. Et c'est vrai qu'avec 84, même si ça se voit pas forcément quand on voit l'album et quand on voit pas ma manière de travailler qui est un peu bizarre, qui est quasiment que du noir et blanc maintenant, mais je recolorise rapidement à l'ordinateur. Finalement, je crois que je préfère, en tout cas maintenant, cette technique-là. Ça me permet d'aller plus facilement à l'essentiel. Et je pense que c'est un truc que je vais continuer à explorer. Mais c'est vrai que là, j'ai commencé un nouveau projet où j'ai fait des planches en couleur et je me suis trompé, je les ai imprimées en noir et blanc et en fait je trouve que le rendu est meilleur. Donc je vais voir. Je suis en train de me poser la question. Et donc moi, ça me fait me poser la question par rapport à ton rapport avec l'art de la bande dessinée. Tes planches, tu les travailles pour qu'elles soient jolies. Tu parlais de déséquilibre, mais ouais. Pour toi, la planche doit être une œuvre d'art en elle-même ou elle doit servir la narration? C'est très délicat. C'est que j'essaye toujours de penser aux deux. Et c'est vrai que souvent, les planches où je me fais le plus plaisir au niveau du dessin peuvent avoir tendance à ralentir la narration. Et c'est un truc que j'ai toujours en tête. C'est que faut trouver le juste équilibre entre le plaisir du dessin et le fait que c'est quand même un livre que les gens vont lire. Quoi. Ça paraît bête à dire, mais quand on est sur une case, on peut facilement se perdre dans des détails et brouiller la narration, et j'essaie toujours d'avoir ça en tête, et je pense que c'est un travail sur le fil. Après, je sais pas si j'y arrive, mais c'est vraiment un questionnement que j'ai en permanence. D'accord, et donc est-ce que tu te vois faire de l'illustration, juste pour de l'illustration? Je pense peut-être à de la presse, ou même à Futuropolis, à une époque, ouais. Je sais pas s'ils continuent à faire de l'illustration de romans. Ouais. Ben je fais aussi là, j'essaie de faire des séries de toiles ou d'illustrations, mais c'est vrai que très vite en fait, ne pas raconter vraiment d'histoire, ça me manque. Même si on peut raconter des histoires avec une série d'illustrations, je suis tellement habitué à pouvoir développer des choses avec plein de cases, avec plein de textes, que ça me manque en fait. Et je reviens toujours au format BD, mais c'est important pour moi dans mes BD, et c'est vrai que plus ça va, plus j'alourdis les paginations et plus je mets des pleines pages où justement je peux avoir des grandes illustrations comme j'aime faire, mais avoir aussi des pages avec plus d'histoire aussi à côté. Quoi. Mais du coup, tu dis que tu reviens toujours au format BD et je trouverais intéressant de te poser la question suivante, c'est que pour l'instant, tu n'as publié que des romans graphiques, finalement, enfin des one-shots, en tout cas ce qu'on appelle des one-shots. Ouais, Est-ce que dans un coin de ta tête, tu aimerais peut-être écrire une série, inventer, revenir à un format plus classique, ou en tout cas, quelque chose qui serait au moins en deux tomes, voire plus? Non, c'est vraiment tout ce que j'ai vraiment pas envie de faire, en fait. En tant que lecteur, j'aime bien ça. Mais en tant qu'auteur, j'ai déjà du mal à garder le même style sur un album et à justement garder cette énergie sur un projet que je me vois pas m'embarquer sur plusieurs années. Et puis, j'aurais l'impression d'être prisonnier, d'être obligé de dessiner de la même manière et d'être obligé de dessiner le même personnage. Et là, ce que je trouve chouette avec le fait de faire des one-shots, c'est que ça permet plus de liberté entre chaque projet. Et j'aime bien ne pas savoir vraiment sur quel projet je vais bosser ensuite. Et tu te sens davantage raconteur d'histoire ou dessinateur? Parce que finalement, dans ta bibliographie, je me rends compte que tu n'as finalement que deux collaborations, celle avec Martin, celle avec Olivier,
Et celle avec Georges, mais on la considère pas vraiment comme une collab. Georges était pas au courant, mais. Mais ouais, si tu te sens plutôt écrivain, raconteur d'histoire. Un peu de tout en fait. Après, c'est vrai que j'ai fait qu'une une histoire en création pure, c'est à la dérive. Pour le reste, même si j'adore écrire, j'ai besoin régulièrement de partir d'un fait tangible, soit de l'histoire de quelqu'un d'autre pour en faire autre chose. Okay. Mais ouais, je me vois peut-être plus comme un illustrateur qui aime raconter des histoires que comme un pur raconteur d'histoires. Mais les collaborations, finalement, si elles sont peu nombreuses, c'est parce que tu n'aimes pas trop travailler avec les autres ou les autres n'arrivent pas à te convaincre? Les autres n'aiment pas travailler avec toi, peut-être. Ouais, voilà. Non, mais c'est quand on travaille avec quelqu'un, on est obligé de lui donner de l'argent et ça, c'est... Non, pas du tout. T'as bien négocié. Déjà, effectivement, c'est dur d'arriver à trouver quelqu'un avec qui ça puisse coller pendant une si grosse collaboration. Honnêtement, avec Martin Tristram, ça a été un vrai bonheur de bosser avec lui. Et là, justement, on a un nouveau projet ensemble. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir trop de projets en tête et déjà, j'ai du mal à me suivre moi-même. Donc, quand je bosse avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. D'avoir les mêmes attentes, les mêmes envies, c'est compliqué. Ouais. Alors, on sait que tu es jeune papa aussi. On l'a entendu de loin tout à l'heure. Est-ce que ça influence aussi tes choix, tes futurs choix de projets, justement, l'envie de laisser peut-être une trace ou voilà de. Bah là déjà, je viens de reprendre la série L'âne trop. J'annonce comme ça. Ça va bien. Je pense qu'en termes d'illustration, ce sera parfait. Ouais, bah c'est vrai que du coup, ça m'a donné envie de faire des albums jeunesse. Mais en fait, c'est juste une question de temps. C'est que j'ai à côté de moi, j'ai un classeur avec des idées de projets commencées. Et là, je dois en avoir une dizaine, quoi. C'est la frustration du temps. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais c'était assez bizarre pour moi de dessiner 1984 dans un contexte aussi rose. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pandémie mondiale où tout allait bien, comme j'ai commencé il y a 3 ans. Mais c'est vrai que je me souviens... par exemple, la semaine d'adaptation à la crèche, j'étais en train de dessiner les scènes de torture. C'était un peu bizarre. J'avais du mal à passer de l'un à l'autre. J'avais l'impression d'être un peu fou. Mais c'était très étrange parce que généralement, je pense que les auteurs ou les écrivains qui font des albums durs ou dépressifs sont comme ça, en fait. C'est leur état d'esprit. Et moi, j'étais dans un état d'esprit hyper joyeux et j'étais obligé de me forcer à dessiner un monde atroce. Mais du coup, tu as l'air vraiment d'avoir un souvenir, un souvenir très, comment dire, très marqué de cette lecture. C'est une lecture que tu as faite quand tu étais élève ou comment s'est passée ta rencontre avec ce texte-là? Parce que quand on a 15 ans, tout le monde n'a pas la même réaction et parfois il faut quelques années pour digérer un tel texte et finalement se rendre compte plusieurs années après que c'était un chef-d'œuvre. Mais en fonction du contexte, on n'adore pas forcément. En fait, c'est ma professeure d'art plastique qui m'a vu faire une série d'illustrations, je devais avoir 14-15 ans. Elle a vu mes dessins et elle croyait que j'étais en train d'illustrer 1984 en fait. Donc elle m'a parlé de ça, mais moi j'avais jamais entendu parler du roman. George Orwell, je connaissais pas, je pensais que c'était un rappeur, je savais pas du tout. Et du coup j'ai acheté le roman et à la première lecture ça a été un énorme choc en fait. J'avais l'impression de lire un scénario qu'un postulant m'aurait envoyé quoi. Enfin vraiment, chaque phrase, chaque mot me donnait envie de dessiner. Et c'est le même s'il y a d'autres romans qui m'ont inspiré ou qui ont éveillé des envies de projet, ça n'a jamais été à ce point-là. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression que chaque case, chaque page, c'était vraiment des trucs que j'avais envie de dessiner. Donc, j'ai trouvé une accointance avec ce texte. C'est aussi l'ambiance très lourde du roman qui m'a vraiment marqué. Quoi, parce que c'est un roman qui n'a pas vieilli. Il a été écrit il y a 71 ou 72 ans. Donc c'est vrai que c'est assez fou et il est très moderne. Mais c'est aussi parce que le style est assez simple, donc c'est un roman qui se lit vite et qui est très marquant, vous ne pouvez pas l'oublier en fait. Et moi ça a été c'est vraiment un uppercut en fait.
Et j'ai jamais retrouvé cette sensation de lecture avec un autre roman. Et est-ce que c'est un peu politique aussi de vouloir le sortir? Parce que je me rends compte que dans chacun de tes bouquins, ça parle de personnages un peu à côté ouais. de la société. Que ce soit Egon Schiele, que ce soit Rimbaud. Encore une fois, dans À la dérive avec ce couple d'Apache qui va braquer. Même L'enfant et la rivière, c'est plus métaphorique, L'enfant et la rivière, mais on dirait que c'est toujours politique aussi de vouloir raconter de ta part l'histoire de gens un peu en décalage avec la société. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est-à-dire que moi, les figures installées et comment dire. Académique ou. Ouais, voilà, c'est ça, mais m'intéresse pas du tout, quoi. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec des figures comme Egon Schiele ou Rimbaud, par exemple, c'est que c'était des gens qui étaient déconsidérés de leur vivant, en fait. Et aujourd'hui, c'est des figures installées. Et moi, j'aime bien ce décalage-là entre des gens qui ont eu aucune reconnaissance de leur vivant. Et ensuite, évidemment, dans les conversations mondaines, on dit, ah bah oui, évidemment, Arthur Rimbaud, c'est extrêmement chic, alors qu'à l'époque, c'est juste un gamin et tout le monde s'en foutait, quoi. Et moi, ce décalage-là m'intéresse beaucoup. Après, je sais pas si inconsciemment je me vois comme ça. En fait, je pense pas. Mais là, je vais devoir vous laisser parce qu'après, il faut que j'aille braver le couvre-feu et brûler des voitures, mais j'en ai pas pour l'instant. Non, mais ça me rappelle la troisième case du strip que Julien a fait pour les résumés What the Fuck, où justement, il a dessiné en train de souffler au mec qui doit réécrire les journaux, de dire « Mettez bien que Xavier Coste était un acteur majeur de la bande dessinée au XXIe siècle. » Et ouais, il y a un petit peu de ça. Mais c'est rigolo. Toi, tu étais en décalage quand même à l'école avec le dessin, au final? Non. Pas du tout. En fait, j'étais vraiment… Moi, c'est triste. Hein. On ferait une bio sur moi, ce serait pas intéressant. C'est enfance heureuse, très bonne élève… C'est même décevant que je fasse de la BD, en fait. J'aurais pu devenir patron d'une start-up. D'accord, ouais. T'as la chemise pour être patron de la start-up, t'as la tasse, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. Mais je te remercie, les gens n'avaient pas encore vu la tasse, donc je la montre. Voilà. Tu viens un petit peu de dévoiler, Xavier, ce que tu aurais pu faire si tu n'avais pas été auteur de BD. En fait, ça fait hyper longtemps dans cette émission qu'on a envie de faire un petit questionnaire de Proust revisité pour nos invités. Donc, on s'est dit que tu étais la personne idoine pour être notre testeur. Donc, est-ce que tu acceptes que l'on te pose, puisqu'on est deux, quelques questions auxquelles tu peux répondre Bien sûr. De toute façon, voilà. Ce serait compliqué si je vous disais non. C'est vrai, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Faire des paris. Ouais, non, je suis sûr que Xavier, il adorait les impressionnistes. Ah bon, ouais. Non, voilà, tu as donné la réponse. Ah bravo. Alors, Xavier, si tu étais un courant de peinture, qui serais-tu? L'impressionniste. Putain, j'en étais sûre. C'est vrai. Tu les répètes. C'est vrai, en plus. Pardon, je ne savais pas si c'était une blague. Non, tu n'es pas obligé de développer. Enfin, tu peux, si t'as envie. On a quand même tous envie un petit peu de te demander pourquoi. Mais... Voilà. Okay. C'est un courant artistique qui m'a vraiment ouvert l'esprit au niveau des couleurs, quoi. C'est vrai que c'est un mouvement que j'ai approfondi justement quand j'avais cette quête de coloriste sur mes premiers albums. Et c'est un travail qui m'a nourri. Quoi. Si tu étais un personnage de BD? Moi, j'aime bien Gus de Christophe Blain. Justement, peut-être encore un personnage à côté de la plaque. Ouais. À côté de ses plaques. J'aurais parié Largo Winch, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Ou Michel Vaillant. Oh, Michel Vaillant, carrément. Tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, mais si tu n'étais pas auteur de BD, tu ferais quoi? Alors, je pense qu'en fait, au fond de moi, j'aurais aimé être peintre. Et d'une certaine manière, il y a une partie de moi qui n'arrive pas à se lancer en tant que peintre et une autre qui a envie uniquement de raconter des histoires sous forme de BD. Et pour l'instant, ça me va très bien. Ok, mais ouais, moi j'ai l'impression que quand même tu peux raconter des choses sur un dessin, tu arrives plutôt bien, je trouve. Ouais, mais finalement c'est pas les mêmes mécanismes. C'est vrai que
les gens qui sont des purs illustrateurs, j'ai remarqué souvent quand ils se mettent à la BD, ça donne pas forcément des bonnes BD. C'est pas la même manière de raconter des histoires, que ce soit par un dessin ou une BD. Pardon. J'ai pas entendu. Oui, je disais, moi je pense que pour être illustrateur de BD, dessinateur de BD, auteur de BD, il faut plus de talent que pour être simple illustrateur. Donc je me dis, pour toi qui as ce talent de dessinateur de BD et illustrateur, fastoche quoi, d'être illustrateur. Oui, bon, ça, après c'est vrai que là, ça sort des sentiers battus, là tu parles d'un talent immense, donc ça. Oui, je sais. On peut pas comparer. Un peu trop, quoi. Je sais pas, c'est vrai que c'est pas les mêmes mécaniques de travail et pour l'instant, j'essaye vraiment de me mettre à des pures illustrations. Mais justement, c'est intéressant aussi de tester des nouveaux trucs. Mmh. On va voir. Alors, je te pose la prochaine question du questionnaire. C'est si tu, quel était le roman graphique, enfin, non, pardon, un roman graphique que tu aurais été fier de dessiner? Le joueur d'échecs de David Sala. Ah, ouais. C'est marrant parce que lui aussi, c'est le projet qu'il a toujours rêvé de faire. Et je crois que de mémoire, ça faisait peut-être une dizaine d'années qu'il avait envie de dessiner ce projet. Donc, je crois que c'est pareil pour lui, c'était son roman le plus important. Donc, finalement, ça fait sens aussi. C'est vrai, il est très très fort. Et David Sala est également illustrateur, hein, je te le rappelle, il fait de la jeunesse. Ouais, tu vois, il te trace une route toute faite. Bah, justement, j'en ai déjà parlé avec lui, c'est dans cette volonté de ne pas s'ennuyer, ne pas faire que de la BD ou tout le temps le même format. C'est important d'avoir ça en tête. Hein. Mm-hmm. Moi, ça me fait juste rebondir sur ce que le joueur d'échecs, c'est Zweig. Donc, Zweig, c'est l'Autriche, et Schiller, c'est l'Autriche. Est-ce qu'il y a une passion pour Vienne? Mais je ne connaissais pas du tout Vienne avant de travailler sur Egon Schiele, en fait. Ok. Donc, c'est peut-être plus la BD de David Sala, finalement, que la découverte du roman qui m'ont marqué. Ouais. Parce que j'avais déjà lu plusieurs fois le roman, et je l'ai vraiment redécouvert avec le dessin de David Sala, et je trouve que c'est son album le plus beau, quoi, le plus... Mm. Prochaine question pour toi, Gaëlle. Prochaine question. Attention, on va pas te. Enfin, si t'as envie, si c'était une chanson. La Macarena, pas logique. Le problème, c'est que j'ai que des références de vieux. Là, je peux vous sortir Léo Ferré avec le temps. C'est une chanson que j'adore. Bon, c'est très bien. Mais ouais. Je trouve que ça correspond bien, un petit ambiance à 84 comme ça. Bon, tu emportes quel livre sur une île déserte? 1984, illustré par Xavier Coste, avec version pop-up, bien sûr. Un classique de BD que tu n'as jamais lu? Je crois que j'ai quasiment jamais lu de Tintin. Ok. Là, ça va partir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on ne va parler que de ça. Ouais, c'est clair. Dans les Bay d'Elix, ça va ressortir juste à cause de toi. On adore une série qui s'appelle Les Sœurs Fox de Grégory Charlet. Ça parle d'ésotérisme et de spiritisme. Si tu pouvais convoquer un artiste disparu à la table autour d'un dîner, ce serait qui? Ah bah, Egon Schiele. Ah ouais? Pas Arthur? Peut-être plus Schiele, ouais, effectivement, et je pense qu'il me démolirait, qu'il serait vraiment pas content de voir ce que j'ai fait de sa vie dans l'album, quoi. Mais non, mais c'est un truc qui serait intéressant de, parce que je me dis, si dans 100 ans quelqu'un fait une BD sur moi, ça n'aura rien à voir avec ce qu'était ma vie réellement, quoi. Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, avec les biographies, c'est de se baser sur ce qu'on sait de quelqu'un, et en même temps, combler les vides et inventer des choses, donc forcément, ça ne sera jamais la réalité. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir confronter les gens à leur biographie. Maintenant, on pourra parler du drame de ta vie, du radiateur élégant, mais qui ne chauffera rien. C'est quand même un grand, grand moment. Tu dévoiles trop de détails intimes. Oui, c'est vrai. Si tu étais une matière, celle-là n'est pas de moi. Hein, Faut déjà une matière, pas les mêmes en français. Hein. D'accord. Ouais, je sais pas. Une toile de lin, ça j'adore les miniatures. Une toile de lin, d'accord. Ton dernier coup de cœur BD? Je vais pas être très original, j'ai pris L'accident de chasse, mais je l'ai pas lu encore. Enfin, c'est mon prochain coup de cœur, je pense, parce que je l'ai pas encore lu. Mais déjà, il me plaît parce que c'est un format carré. Carré.
tout ce qui est carré à ta bénédiction, c'est ça. Bien sûr, ouais. Non, mais disons que c'est mon dernier coup de cœur d'objet que j'ai feuilleté en librairie, quoi. C'est que justement, j'ai trouvé son plaisir d'avoir une recherche autour du dessin et puis ça a l'air de raconter une histoire vraiment intéressante. Je te donne une seconde chance pour citer un bouquin de chez Sarbacane. Ouais. J'ai pas eu le temps de dire leur dernière nouveauté, malheureusement. Bon, alors, c'est rien. À 1984, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Bien. Non, et puis du coup, ils m'ont offert des livres, mais c'est des versions pour les 0 à 2 ans, mais je peux en parler. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. On a toujours pour objectif de faire une heure. Des fois, on dépasse un petit peu. Ouais. Xavier, tu nous as un peu dévoilé tes prochains projets. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un chouïa plus? Est-ce que tu as... Bah, pour l'instant, je peux faire ça. Ça reste mystérieux. Sortie. Ah non, attends, j'ai aussi une question parce que je te connais bien avant que tu me répondes à ça. Ça fait quoi de connaître un succès monumental avec... avec 1984, parce que finalement, quand j'ai vu le bouquin et qu'on a vu toute la presse qui allait parler de toi, je t'ai envoyé un message pour te féliciter et pour te dire d'en profiter. Et donc, ça fait quoi tout ça tout d'un coup d'avoir les projecteurs sur soi et de sentir qu'il se passe quelque chose de très très fort autour d'un bouquin qu'on a mis 3 ans à réaliser? Bah, effectivement, c'est très bizarre parce que j'ai bossé le bouquin seul dans mon coin et à part mes proches, personne n'en avait entendu parler, quoi. C'est un truc qui est resté secret. Et j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Déjà, on était sûr de rien. Quelques jours avant la sortie, on savait même pas si il y aurait un confinement ou quoi. Donc, on avait vraiment les chocottes avec l'éditeur. Et c'est vrai que c'est fou. Le jour de la sortie, à 6 heures du matin, on a eu une super chronique sur France Inter. Qui fait que, il était déjà en rupture sur Amazon à 7 heures du mat le jour de la sortie. Donc malheureusement, les gens étaient obligés d'aller chez leur libraire pour l'acheter les premiers jours. Je crois que Jeff Bezos a réussi à se rattraper depuis, j'espère. Mais c'est vrai que vraiment, ça a dépassé nos attentes, quoi. Mais ceci dit, il faut pas y prendre goût parce que j'ai fait des bouquins qui n'ont pas du tout marché. Ou c'est vrai que les derniers albums ont pas eu le retentissement que j'espérais, donc c'est des expériences qui m'avaient un peu échaudé, et là honnêtement je savoure vraiment tout ce qui m'arrive, mais c'est vrai que des fois on pourrait être tenté d'y prendre goût, ou alors on pourrait être mal habitué. Par exemple cette semaine j'ai aucun passage télé de prévu, quoi, donc je suis en train de me demander si je suis à loser ou si tout va bien. J'espère qu'il y aura au moins le 20h demain soir, quoi, histoire de rattraper le coup, mais sinon, c'est minable. Tu te rends compte qu'avec tout cet éclairage, tu vas être hyper attendu pour le prochain bouquin. Du coup, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui me fait flipper sur les projets. Donc, là, j'ai deux projets signés chez Sarbacane. Un projet avec Martin Tristram au scénario, qui est basé sur une histoire vraie. C'est l'histoire d'un explorateur. Je préfère pas trop dévoiler plus de choses pour l'instant. J'ai un projet qui... Comme Eiffel, ça va être adapté au cinéma sans que vous soyez consulté. Exactement. Et je prépare aussi un projet en solo sur l'univers du cirque au début 1900. Donc c'est vraiment, à chaque fois j'essaie de trouver des sujets ou des axes différents au niveau des projets. Et j'ai aussi du coup une envie de créer un récit de dystopie que j'écrirai seul, quoi, dans le prolongement de 1984. Ok. Bon, bah, c'est pour sortir sur un succès, bien sûr. Ouais, je fais ça. Bah, en fait, tu peux faire comme ton voisin de quartier que tu peux rencontrer à la boulangerie, Xavier d'Horizon. Tu peux imaginer. Je vois que tu écoutes mes interviews. Ouais. Bah ouais, on potasse un petit peu quand on reçoit un auteur. Mais ouais, ce serait rigolo que tu imagines comme lui la suite de 1984, peut-être. Parce qu'il y a quand même un roman qui est en pointillé et qui peut laisser imaginer plein de choses. Bien sûr. Bah, là, c'est vrai que. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'une pandémie mondiale ou de restrictions de liberté. Moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et je ne me vois pas ne pas faire de projet là-dessus, mais j'ai besoin qu'on en soit sorti, quoi, parce que là, on est trop dedans, on manque de recul, mais c'est quelque chose qui me travaille vraiment. Bon, bah, dans 50 ans. Exactement. Voilà. Non, je plaisante. On sera sorti avant.
Guette, tu veux faire la conclusion de cette très très belle émission peut-être ? Eh ben oui, bah merci mille fois Xavier pour ta générosité, merci d'être venu dans Délivrez-vous. Voilà, j'ai envie de te dire que c'est la meilleure émission promo voilà, que tu as pu faire. Donc tu ne feras peut-être pas le 20h, mais tu es quand même passé chez nous, donc voilà, on est fiers. On rappelle à tout le monde que vous pouvez encore, et vraiment profitez-en, faites-vous dédicacer des albums par Xavier, offrez-en, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre que ce bouquin et tous les autres également. Je vous les conseille absolument tous, ils sont vraiment tous géniaux. Donc voilà, et puis merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la consulter, la partager en replay, donc n'hésitez pas à parler de nous, et puis on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Un grand merci à Raphaël Pellissier pour et merci à Raph pour la technique. Donc, avec une dernière petite dédicace et un petit mot de la fin. Xavier, tu restes avec nous. Bonne soirée à tous. Bon, salut. Merci. Bye bye. Merci.